qui gagne une dissimulation dans l'espace public de visage. Ok, nous d'abord dit ça. Le 17 juillet 2020, nous créé un décret qui a dit que nous obligés de mettre en masse par rapport à la crise sanitaire que nous créé. Maintenant, on n'a pas qu'à débattre sur COVID-19, si là, si pas là. Chaque monde a un point de vue et nous fait débattre de ça aussi. Maintenant, nous avons imposé de mettre en masse alors que le décret est subordonné en loi. Est-ce que nous d'accord? En loi, pas abrogé. Ce qui veut dire que la loi en vigueur toujours. Donc, c'est nous qui a verbalisé nous, yo en compte, yo hors la loi. Donc, non seulement yo hors la loi, mais yo savent yo hors la loi. Deuxième point, je vais virer à sous utilité masse là. Moi, je suis désolé pour ces gens qui ont une masse fait de maison. Là, nous avons parlé d'unité, de mètre, donc nous avons fait une mathématique, nous avons fait une scientifique. Nous avons regardé par exemple, tout le monde connaît en mètre, en décimètre, en centimètre, en millimètre. Mais quand nous avons passé à micromètre, à nanomètre, ça est un plus vague dans la tête. Alors, ça comme on a dit, il y a tout le monde qui a mis un ordinateur, il y a un livre, il y a tout le bagaille, il peut aller vérifier. Alors, un micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. C'est 0,00 mm. Un nanomètre, c'est 0,0001 mm. Quand nous regardons la taille en postillon et en virus, il a fait un virus qui a fait 10 nanomètres. C'est des bagailles qui petit nanomètre. 0,0001 mm. Vous pouvez regarder ces moulins qui n'ont ces masses-là en tissu, madame, désolé de vous le dire. Vous pouvez regarder, vous savez, en fil, il a fait 0,5 mm. C'est sûr que quand vous tressez ce fil-là, il a fait en toile. Donc, plus vous tressez, plus il a fermé. Mais il a existé quand même des trous de l'ordre de 0,1 mm. Nous dans un ratio de 100 fois plus gros que ces virus-là et ces postillons. Ce qui veut dire que quand on a ce genre de masse-là, ça va casser le plus à rien. Le problème, c'est que ce que je dame là ou légal bail, si mon panique a verbalisé moi, alors qu'on a la même situation. Donc, il y a une raison derrière ça, nous allons vivre en l'air. Maintenant, c'est mon qui a les masques chirurgicaux, même FFP2. Ça, c'est des masques qu'on peut utiliser uniquement à des espaces de ventilation contrôlés. Ça, c'est bail, chambre contrôlée, bagaille pour atmosphère là, contrôlée. On peut mettre ça dehors. Pas qu'à mettre ça dans l'espace clos. Pour qui ça? Parce qu'il a agi pour de l'électricité statique. C'est-à-dire qu'il a attiré les bactéries. Or, les bactéries, qui s'est fait? Quand il a resté posé dans la masse, il a créé champignons. Champignons, nous avons respiré. En dehors de respirer gaz carbonique, parce que normalement, nous sommes des êtres humains, que nous avons expulsé du gaz carbonique, nous avons expiré du gaz carbonique et nous avons inspiré de l'oxygène. Or, quand on est masse là, nous avons réduit la respiration nous, à 30-20%. Ce qui veut dire que pendant 2-3 heures de temps, quand nous avons expiré le gaz carbonique, c'est le gaz carbonique que nous avons viré, inspiré. Et c'est maintenant qui nous masse là depuis quelques temps, nous avons fini par inspirer champignons. Et ça va créer des infections bactériologiques. Et là, nous allons parler de deuxième vague, mais qui n'est pas en vague grippale, mais qui est bactériologique. Et ces messieurs savent ça. Si moi, je savais ça, je ne parle rien. C'est un homme lambda, je vais juste faire recherche. Ces messieurs savent ça. Et que nous allons poser nos masques là, c'est que nous avons ça dans une étape. Nous tous qui là, nous devons parler de nouvel ordre mondial. Nous tous qui là, nous devons parler de Bill Gates, qui a dit nous que nous avons réduit la population entre 10 et 15% avec les vaccins et une bonne médecine. Si vous ne savez pas ça, demandez aux voisins, demandez nous connaître, vous avez toujours que vous savez ça. Mais il faudrait que nous ayons un niveau d'information pour que nous puissions prendre les bonnes décisions. La majorité de nous, je ne dis pas nous parce que nous sommes dedans, nous avons abreuvé comme nous à des sources qui polluent. Et nous avons répété à longueur de journée que c'est ce que nous qui les tué nous, qui a dit nous de répéter. Et nous avons répété ça. Est-ce que c'est nous qui a menti à nous, nous avons fait confiance? Nous avons fait nous des complices de menteurs. Nous ne pouvons pas faire des complices dans un système de tyrannie qui les tue nous. Parce que la prochaine étape là, c'est qui ça, maman là? Parce que là, nous avons quoi? Nous avons un test d'évaluation. Un test d'évaluation, c'est qui ça? Nous avons regardé quel niveau d'obéissance nous et de soumission nous. Et là, quand nous avons fait
quand vous avez fait analyser, vous avez dit, ok, les moutons sont prêts. Est-ce que nous c'est des moutons? Non. Est-ce que nous c'est des moujons? Non. Donc il faut nous réagir. Donc là, prochain étape là-bas, c'est qui ça? C'est le vaccin. Nous tous nous savons ça. Comment on a discuté avec des gens, on a dit qu'ils savent ça. Mais nous, dans un livre, c'est pour ça que je ne parle pas virer trop loin. Parce que nous pouvons virer depuis tant que c'est Messi qui a préparé ça, parce qu'il y a dans la planification. Mais comme il est urgent, nous pouvons vivre dans les dernières pages. Et c'est Messi dans les dernières pages. C'est-à-dire que les simulations qui faites en octobre 2010, les implantations 5G, les reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des éléments factuels. Nous ne pouvons pas dire que ça sortit de imagination. C'est des éléments factuels. Quand nous voyons, par exemple, que c'est Messi qui a fait une simulation et que c'est Messi qui a prévu un nombre de morts. Quand nous voyons que l'OMS a acheté un bouton Bill Gates qui a possédé l'OMS à plus de 80%. Est-ce que c'est normal? Et que c'est ce monsieur qui a battu les États, les directives. Il a combattu l'artémisia, il a combattu le chloroquine. Pourquoi? Parce que il sent que ça, ça n'a pas porté rien par Big Pharma. Et que Big Pharma ne va pas nourrir quoi de ça. Donc, il a imposé nous le vaccin pour que nous puissions contrôler. Qui est-ce qui là, qui va connaître ce qu'il a fait en Chine? Ça ne va pas payer le crédit social. Alors, pour ça qui passe ça, je dis, parce que c'est sûr qu'il faut que nous tous, nous au même niveau d'information. Le crédit social, c'est qui ça? Chaque mois, il y a un cabaye en note. Et que si vous passez en passage, à côté en passage coûté, par exemple, pour près de 2 milliards d'habitants, il y a près d'un milliard de caméras. Le crédit, ça, chaque mois, ça. Maintenant, vous pouvez cracher en côté, vous ne pouvez pas cracher, vous pouvez tirer point en l'air. Et à la fin du mois, vous pouvez comptabiliser point. Et si vous avez moins de points que ça, vous pouvez soutenir des accès à certains côtés, vous ne pouvez pas tenir ça, c'est là. Soutenir des avantages, j'aurais tiré ces avantages de la base. Et que à l'instant T, je savais exactement qui ça a fait. Parce que tout le monde a un portable, et quand les portables là, il n'y a plus. Maintenant, plus tu as là, ça a nous, a dit dans nous, il est. Quand on a demandé à ces gens, est-ce que vous savez qui ça, qu'il n'y a dans un vaccin? C'est mon qui a dit non. Ou quand il y a des gens, il y a 11 balances. Est-ce que vous savez qui ça qui a dans ces balances-là? Il y a dit non. Parce que vous avez fait confiance au gouvernement. À force d'obéir, et de servir, nous pas venir esclaves du système-là. Dans le vaccin, nous avons plus de 250 produits chimiques. Je ne vais pas énumérer. Mais nous avons aluminium, nous avons 5, nous avons cacao, 100, nous avons nous avons, mais ça, nous les mettez, c'est plus RFID et puis nanoparticules. Plus RFID, c'est ça. C'est radiofréquence, ça donne des data. C'est-à-dire en identification par radiofréquence. Moi, je suis un électricien. Nous avons l'effet de la 5G. La 5G, effet, c'est qui ça? C'est l'électroporation. L'électroporation, c'est qui ça? C'est ouvert cellules nous pour permettre d'être vulnérables à toutes sortes de virus et de bactéries. Moi, j'ai plus de 50 ans, moi, j'ai vécu la campagne. Nous avons mangé roche, nous avons sissé caillou, nous avons pris nous à la tête, nous avons développé défense nous. Nous n'avons pas tombé malade. Maintenant, quand nous avons foutu ces immunes à 11 vaccins, des immunes qui paniquent 3 jours, 4 jours, ou pas tuer à la naissance. Et là, ça y est, les bas, nous, actuellement, c'est nanoparticules pour que quand téléphone nous en veille ou pas en veille, qui ça qui a fait? Ni des satellites, ni des antennes, et ils savent qu'ils ne sont pas faits à l'instant T. Sous panique portable dans l'eau actuellement, vous faites tout ça en bidon, quel que soit côté à bord, il y a, ils savent où ils sont. À l'instant T, ils savent qui ça qu'on a fait. Maintenant, l'humanité telle que nous te connaissons, il y a un homme. Quand aucun enfant, il a fait un petit mouge, ça a fini. L'humanité telle que nous te connaissons, il y a les grands-parents, nous, les parents, nous, ça a fini. Parce qu'une fois que nous avons installé ces nanoparticules dans la rendue dans nous, ça finit. L'humanité telle que nous connaissons, il y a ça finit. Et puis la 5G, directement, parce que la différence entre la 1, 2, 3, 4G et la 5G, c'est que les 4 premiers GA, c'est qu'à vendre des ondes de façon diffuse. La 5G, elle a ciblé directement. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'il y a besoin d'être en position. Pour qu'il cible directement. Et ça, qu'il faut de nous comprendre, c'est que c'est bien là tellement petit que vous pouvez mettre dossier médical, dossier bancaire, dossier social, et que vous pouvez éteindre nous, changer humeur à volonté. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Non. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Non. J'ai l'impression que c'est ça que je voulais.
parce que je ne peux pas comprendre qui manière que nous ne pouvons pas réagir, qui manière que nous ne pouvons pas informer, frère nous, c'est nous, famille nous. C'est sûr, nous pouvons trouver des gens qui comptent nous, parce qu'il y a toujours eu le nègre de maison et le nègre de plantation. Mais il faudrait que nous mettions urgence dans là, par ailleurs de la peur, quand on perd, qui ça qui a fait, quotient intellectuel nous a diminué, défense immunitaire nous a diminué, niveau énergétique qui a descendu, et tu deviens vulnérable. Il y a qu'à pousser au conseil ou quoi tomber parce qu'on est vulnérable. Pour que nous-mêmes fort, il faudrait que pH nous, pH c'est qui ça? Le potentiel hydrogène, c'est-à-dire élément basique ou acide. C'est moi qui a foutu les médicaments dedans, qui a les mangé dans les fast food industriels. Ça a affaibli le système. Il y a qu'un système acide et que inévitablement, ou quoi tomber malade. Maintenant, quand on peut prendre soin du corps, quand on peut mettre le corps en harmonie et les éléments que la nature a dans nous, on va demander à nous de faire quelque chose. Mais nous-mêmes, c'est énergie. Tout autour de nous, c'est énergie. Nous, ça capte les énergies de la pluie, du soleil, du vent, de la terre. Fusionnez-y pour nous avoir notre énergie qui est l'éther, l'éthérique. Rentrez ça dans nous pour que nous en harmonie, évoluer, élever le niveau de fréquence. Nous. Mais c'est préparé nous. Nous sommes en guerre cosmique. En guerre spirituelle. Si nous ne pas comprendre ça, demain sera trop tard. On, personnellement, je me suis dit, avec tout ça qui parle et agit, le problème, c'est que malade. C'est ça le problème. Là. C'est que quand vous avez imposé nous tout bien là, moi aussi malade. On peut être tué avant de pitcher moi. Vous avez tué moi. Le problème, là, c'est que tout le monde qui est venu après nous, vous avez subi ça. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Non. Tu ne parles de Bill Gates, tu ne parles de Jean Soros, tu ne parles de Larry Ling, tu ne parles de Fondation Melinda Bill Gates. Nous savons qui menait ces messieurs qui ont fonctionné. Nous savons que ces messieurs qui ont descendu en aide. Nous avons fait des campagnes de vaccination. 450 personnes qui ont tombé malades, qui ont fini paralysées. C'est mon nom qui a une connaissance sur le vaccin. Nous avons monté au 19e siècle. Il y a eu en fait cette guerre entre Bécan et Pasteur. Pasteur, il a gagné. Et on nous fait croire que les virus, les bactéries dangereux pour nous. Alors que c'est totalement faux. On laisse tout face en main, nous, par centimètre carré, ni plus de 3000 virus. Nous avons vivre ça au quotidien. Mais ils les mettent nous dans peur pour que ils manipulent nous. Et tant que nous ne sommes pas sortis dans peur, ça là, eh bien, c'est eux qui n'ont le pouvoir, ni le contrôle. Ces messieurs, quelle que soit la différence, quand il suffit d'atteindre un but, il y a ça unique. Et nous, nous passons à faire ça parce que le système colonial, depuis l'esclavage, la colonisation, les conversions, que ce soit judéo-chrétienne ou musulmane, après les conversions, il y a eu la lobotomisation. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? La robotisation. En tout cas, c'est ça, monsieur. En tout cas, c'est ça. Sinon, c'est pris. Sinon, c'est fini. Et c'est messieurs qui ont gagné. Il ne faut pas s'aimer ces gagnants. Parce que tous les jours, nous avons appelé les ancêtres. Tous les jours, nous avons appelé les forces cosmiques. Mais il faudrait que nous nous dignes de ça. Il faudrait nous mettre de côté, couper le lien, déconnecter de certains bagages pour que nous puissions accéder à d'autres niveaux et récolter les fruits de ça. Mais tant que nous ne parlons qu'à débattre, on a des bagages qui ne sont pas utiles, c'est messieurs qui ont profité de ça pour que nous dominions nous. Maman, là, situation grave. Ce n'est pas pour dire que c'est dans un an ou dans deux ans. C'est des bagages qui l'ont calculé dans six mois. Mais c'est ça, pareil. Nous avons essayé des vaccins contre Covid d'après eux. Et ça n'a pas eu de résultat. Normalement, ça peut faire dans plusieurs étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. C'est monsieur qui a fait étape 1, ben, la part concluante. Nous avons jambé étape 2 pour passer à étape 3. Alors que étape 2, c'est pour être en septembre 2021. Nous avons changé étape 2, nous avons passé à étape 3. Nous avons vacciné les gens et les gens qui ont tombé à mort. Mais les mainstream médias n'ont pas parlé de ça. Parce que les mainstream médias sont financés par les George Soros, par les Bill Gates. Mais nous avons abreuvé comme nous à ces médias-là. Comment on pourra s'en sortir? Il faut que nous arrivions à déconnecter l'esprit, nous, décoloniser conscience nous. Et puis le système-là. On n'est pas là pour modifier le système, on est là pour le détruire. Nous-mêmes, c'est les énergies. Ça, c'est M. Père, en fait. C'est M. Père que nous apprenons à faire comme tel Molotov ou
mais chaque nous n'a pas les tirant les yo. C'est pas ça, c'est mes pères, parce que yo savent que dans le rapport de force, yo plus fort que nous. Ça, c'est mes pères, c'est que nous unis comme nous. Ça, c'est mes pères, c'est que nous reconnecter comme nous. Et puis spiritualité nous. Et une fois que nous reconnecter comme nous, et puis ancêtre nous, et puis spiritualité nous, c'est mes pères qui t'aident. Mais c'est mes rivets. Diffusez nous. Le rivet qui fait nous quoi? Diaboliser. Ça que ancêtre nous, c'est qu'à vénérer pour que nous prenions domination à nous. Physiquement, mentalement, spirituellement. Exactement. Enough is enough. Nous sommes les acteurs. Tout le monde qui l'a, il y a des gens qui l'université, il y a des gens qui a fait grande étude. Quand nous avons étudié l'histoire, nous avons vu qu'un tel fait ci, un tel fait ça. Quand nous avons fait discours, nous avons pris comme référence. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les acteurs. Il faudrait que demain, nous prenions autres comme référence. Parce que les autres font un bagaille pour changer ça. Demain matin, nous demandons nous qui ça nous fait. Qui ça nous dit. Nous ne pas faire rien. Non, il faudrait nous dire ça nous fait. Il faudrait l'histoire qu'elle songer et songer ça. Big up. Merci de m'avoir écouté.